Bon, c'est de cacher un peu comme je peux là, les filles, mais on voit un peu que c'est encore un petit peu légèrement gonflé, mais franchement, ça va. Ça va, ça va. Alhamdoulilah, ça commence à aller mieux. Ça commence à dégonfler un petit peu, vous voyez. C'est plus là, hein. Ce côté-là, ça va, vu qu'il y a eu une dent retirée, mais c'était là vraiment, les filles, c'était. J'étais trop déformée, et là, on dirait que cette nuit, ça commence à aller mieux. Enfin, ça, depuis. Ouais, depuis là ce matin, alhamdoulilah. Ça me titille encore un petit peu, mais rien à voir avec hier, ma chère et tout. Donc voilà. Bref, à part tout ça, mes soeurs, là, franchement, il y a trop de trucs qui se mélangent dans ma tête. On part bientôt là, Inch'Allah, en vacances, dans même pas une semaine. À côté de ça, j'ai plein de choses à faire. Enfin, franchement, il reste, en gros, tout le tri de la salle de bain, tout le tri de mon armoire. Et c'est ça qui me fait le plus déprimer, puisque je me dis que ça, je vais y passer un temps, genre, j'ose même pas imaginer. Là, je suis sûre que je me lance tout de suite, je vais avoir fini à 19h. Je vais vous faire un update, mes soeurs, comme ça va être simple. En gros, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. L'extérieur de la maison, c'est fait. La chambre des enfants, tout le tri de leurs vêtements et tout, c'est fait. En fait, j'ai fait des trucs, mais j'ai l'impression que je fais du surplace. J'ai l'impression de stagner, en fait, je vous explique. Au niveau des ventes, les filles, je sais qu'il y en a qui vont pas être contentes. Désolée, mes soeurs, mais ça a été du bouche à oreille, principalement. Oui, c'est pour moi, ça a été fait du bouche à oreille. Ben, les soeurs autour de moi et tout, elles ont su que je l'ai ménagé. Et on va dire que tout le monde qui attendait la chambre des enfants et tout, ça y est, bon, elle est partie, les filles. Mon dressing aussi, il est parti. En fait, tout le haut, ma chambre, elle est partie. Tout le haut est parti. Dans la chambre des enfants, il va manquer que les lits. Je vous les mettrai, Inch'Allah, dans un peu de temps. Et voilà, sinon, tout est parti. En vrai, là, le plus qui reste, là, vraiment, les filles, c'est la cuisine. Parce que la cuisine a été censée partir deux fois. Il y a des soeurs qui devaient la prendre. Une soeur qui l'a pris, après, au final, qui devait la prendre sur, assez désistée par rapport aux mesures. Et une autre soeur qui devait la prendre aussi aujourd'hui. Et elle s'est désistée hier. Bon, je pense que ça se reste un petit peu par rapport à son mari, je pense, son frère, Inch'Allah. Donc voilà. Donc la cuisine est de nouveau disponible. Je veux que de vous dire ça, plus dispo. Donc je vais la remettre dispo bah, si jamais ça intéresse les soeurs. Voilà. Et attendez, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Et après, je crois que c'est tout, les filles. Il manquera le cellier. Il manquera le cellier, donc ça, je vous le mettrai. Ça, je sais qu'il va partir très vite. Et voilà, je pense qu'après, ça sera tous les petites bricoles. Genre, même tous les stars, les filles de la maison, ils sont partis. Vraiment, quand je vous dis, toutes les sœurs, elles sont venues me contacter sur Insta avant même que je poste les annonces. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de vous poster ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas. Tout est parti. Il n'y a vraiment que la cuisine, là, ça. Vu qu'il y a des mesures et tout, c'est un petit peu plus compliqué parce que, en fait, la cuisine, les filles, comment elle est configurée, sachez que vous pouvez la moduler de différentes manières. J'ai rappelé encore le cuisiniste hier et il m'a expliqué comme quoi, nous, on l'a agencé comme ça parce que c'était chez moi, la pièce, alors nous et tout, mais on peut l'agencer de différentes manières. Donc voilà, si jamais ça intéresse toujours des sœurs, je vous la riposte. Et c'est tout. Aujourd'hui, les filles, il faut que je boucle les valises. Franchement, je vous assure qu'en vrai, tout le temps, quand je pars en dernière minute et tout, en voyage, quand je pars en voyage, tout le temps, genre, les valises, je les fais la veille ou le jour même. Et là, vraiment, j'ai envie que ça, j'ai vraiment pas envie que ça se passe pour ce voyage-là, surtout qu'on part pour quand même 3 semaines, Inch'Allah. Donc voilà, faut que je boucle les valises là. J'espère les boucler ce week-end. J'ai déjà tout préparé, en fait, j'ai juste à mettre en valise. Faut que je mette toutes les affaires des enfants qu'on a triées et tout en carton. Et que je fasse mon tri armoire. Est-ce que je vais réussir à faire tout ça aujourd'hui? Je sais pas. Mais en tout cas, il faut que je me motive. Parce que là, je vous assure que si je me repose en mode ah non, ça avance pas. Si... En gros, dépression. En gros, je vais pas avancer et ça va me fatiguer plus qu'autre chose. Donc, ça va mettre dans un mauvais mood des fois pas. Donc voilà, les filles. Enfin, bref, je vous ai fait un petit update de tout. Et voilà, donc je vais motiver encore là, ma soeur. Franchement, là, il n'y a pas le choix. Pour moi, il n'y a pas le choix. Même si j'ai la flemme, tout ce que vous voulez. Clairement, j'ai pas le choix. Elle est là la pièce qui me fait le plus peur, les filles. Entre les hijabs. En fait, le truc, c'est que là, pour chaque. Vous savez, j'ai différentes matières, je vous montre. Par exemple, j'ai cette matière-là. Après, je vais avoir les soins de Médine. Après, je vais avoir aussi les mousselines. Enfin, bref. Et je vais avoir plusieurs coloris, mais de la même matière. Donc ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. À part les noirs, en gros, c'est basique. C'est valeur sûre. Et le vert que j'aime trop.
Le reste, les filles, et un peu le nude. Le reste, genre, je vais garder juste une couleur de chaque. Ça suffit largement. Après, le reste, à donner. Après, tout ce qui est abaya, c'est pareil, les filles. J'ai trop dans le même style, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, en gros. Je vais avoir trop de noir dans le même style. Je vais, même si noir, c'est une valeur sûre, c'est basique. Et je vais avoir trop de couleurs vert aussi. Parce que je les ai triées par couleur. Mais dans le même style aussi. Donc en fait, à chaque fois, je me dis, ouais, peut-être ça un jour, ça va me servir, peut-être, peut-être. Au final, je le mets pas. Du coup, ça aussi, je vais faire un grand tri. Et je vais garder vraiment le strict minimum. C'est là qui stagne, quoi. Ici, c'est bon, les filles. Mon mari, il vient de clôturer les deux. Oui, qui sont encore très, très bien. Genre, par exemple, côté garçon, Souhaib, il va certainement les remettre. Ça va plus à Souleil, mais Souhaib, il va pas tarder à les remettre, Inch'Allah. Après, côté fille, j'avais gardé aussi des petits trucs de ma soussoune, genre en mode j'aime trop. Et voilà. Voilà, les filles. Ouais, on va s'activer, Inch'Allah. Ils vont tourner avec ça. Et ça, en gros, principalement, ça va être des trucs qui sont propres et tout, qu'ils vont mettre, Inch'Allah, pour la rentrée prochaine, d'avoir trop d'affaires non plus. Cet été, ça aussi, vu qu'on va être un peu en vagabond à droite, à gauche et tout, moi, je leur ai mis des petits trucs vite fait, et quoi, ils vont dépanner, des petits maillots par-ci, des petits ensembles. Je vous ai pas montré hier, les filles, je suis partie à Kiabi, mais vraiment rapide. J'avais les deux garçons, du coup, c'était un petit peu la course. Mais j'ai pris un peu des maillots pour ce soir, vous voyez, parce qu'on en avait plus, mon petit bébé. Il est trop mignon celui-là, avec la pastèque grosse comme ça. C'est les couleurs de l'été, les filles, vous voyez. Fleurs. Même ce pantalon-là, les filles. Vous voyez ou pas? Parce qu'il y avait une heure fallait. 6 ans, s'il vous plaît, mais bon, ça va lui aller. Ça va être un petit peu oversize. Et pour les enfants, c'était H&M. Mais franchement, c'était. Je suis sûre que. Et voilà. Alors, quand tout le monde s'y met, ça avance bien, les filles. Regardez. Là, on est côté Soussou et maman. Et par ici, on est côté papa et Souleil. Ils sont en train de trier tous les jouets. Remettre tout à jour là, les filles, voilà. Motive là. Mon amour. Voilà. On occupe des vêtements et côté garçon. Bon, les filles, goûtez. Tata nous a refait des crêpes. Oui, attends, je vais vous mettre. Attends, Souleil. Ils se sont tous retrouvés là, ils sont en folie. Un enfant. Deux, trois, quatre, cinq. Et bon. Crêpe partie. Les filles, on avance. En bleu clair. Souleil. Là, dans les petits trucs comme ça, je vais leur mettre. Mes soeurs, je suis en mode linge. Après tous les cartons, le tri, etc. Ça y est, on a. Alhamdoulilah, fini, boucler les enfants. Là, vous savez, tous les blancs qui sont devenus un peu gris, pas beaux, enfin, je suis en train de les laisser tremper dans du vinaigre et du bicarbonate, les filles. Attendez. Voilà. De soude, voilà. Et avec l'eau chaude, comme ça, tout va redevenir tout blanc. Je fais ça, je laisse tremper une bonne petite heure. Et ensuite, je les fais passer à la machine. Vous pouvez laisser plus tremper aussi, mais ça, les filles, c'est magique. Ça ravive tous les blancs. Les blancs, ils sont tout de suite plus éclatants et tout. Ça fait une petite réaction comme ça chez le mec, mais c'est trop efficace.